Hello la gang! Bienvenue dans un nouveau vlog. Et j'espère que vous allez bien. C'est comme mon angle que je vous parle d'habitude, mais à l'envers. Là, le bruit, c'est mon air fryer. Désolée. Mais dans le fond, je viens d'arriver à la maison. On est mercredi, on est le 18 octobre. Et qui dit le 18 octobre, dit la fête à ma mamie. Donc, je suis arrivée du travail. Après, je suis allée faire mes ongles. Premièrement, mes ongles. Comme je ne sais pas à quel point je peux exprimer comment je les aime. Ils sont tellement délicats, ils sont tellement beaux. Genre, j'ai des belles petites mains, genre féminines, trop mignonnes. Je capote comment ils sont beaux. Donc, je vais vous les montrer. Je voulais comme délicat. Tu sais, moi, vous savez, Noël arrive là. Donc, je voulais quelque chose qui faisait festif. Mais en même temps, tu sais, ça peut faire comme automne witchy, tu sais, avec comme des étoiles. En tout cas, vous allez comprendre. Mais regardez. Là, vous voyez peut-être pas beaucoup parce que c'est pâle, là, mais j'aime tellement ça. C'est comme un petit pale crème avec genre comme des étoiles. On dirait genre des étoiles dans le ciel. Non, non, avec des diamants. Comme je ne peux pas. Je ne peux pas pondurer, ils sont toutes beaux, toutes ronds comme. Je les adore. Je capote. Donc, c'est ça, je suis juste en train de me faire chauffer quelque chose rapidement. J'ai faim. Entre l'école et mon rendez-vous, j'ai comme pas eu le temps. Ben, j'aurais eu le temps, c'est que je m'aurais fait comme une boîte à lunch pour manger, puis j'avais comme 5 minutes à manger, donc j'ai comme pas vraiment le temps. Donc là, je suis en train de me réchauffer quelque chose. Je vais manger. Puis après, je vais aller chez ma mamie. Je pense que je vais aller chercher du Tim. Parce que c'est sa fête. Puis, c'est ça. J'étais en train d'écrire son mot dans sa carte. Puis, c'est comme tellement drôle. C'est pas drôle, mais nos mots sont tout le temps beaux là, dans nos cartes, tu sais. Mais cette année, genre, les mots dans la carte que mes parents m'ont donné, c'est vraiment, on dirait que ça me décrit vraiment. Puis là, on dirait les mots que j'ai choisis. Ça, c'était avant de savoir, là. Les mots que j'ai choisis pour la carte à ma mère, comme ça peut pas plus comme la décrire que ça. En tout cas, on dirait que c'était comme... J'ai trouvé ça spécial. Donc, des beaux... un beau message pour ma mamie d'amour. Sinon, je peux vous montrer ces cadeaux vite fait, mais dans le fond, ma mère, là, c'est elle qui gâte le plus tout le monde, genre autour d'elle, mais elle veut jamais se faire gâter. C'est comme elle pourrait m'acheter la lune, mais elle, elle veut rien. Mais à chaque année, elle choisit quelque chose au magasin, genre une décoration qu'elle aime beaucoup. Puis, donc c'est ça. Cette année, elle s'est choisi une belle pancarte. Elle est vraiment belle. Welcome! Donc ça, ça vient du magasin Mon Bébé. Et là, vous comprendrez peut-être que j'ai mis rouge parce que j'ai décoré en Noël. Et genre, maman a décoré en Noël, ça, j'ai comme enveloppé ses cadeaux comme ça. Et à la place d'une balloune de bonne fête, j'ai une balloune de Noël dans l'auto. C'est écrit « Joyeux Noël ». Puis, j'avais une belle boîte comme ça. Donc, j'ai pris ça. Ici, c'est plus comme un knick-knack. Je lui ai pris une tasse qu'on a au magasin aussi pour quand elle travaille, pour mettre de l'eau de Elf. Donc, elles sont trop belles. Je n'étais pas certaine qu'il y en avait. Ben, au pire, il y en aura deux. Puis, je lui ai pris un certificat cadeau pour un soin, genre, à l'esthéticienne que j'aimerais, genre, qu'elle se fait faire. Parce que, connaissant maman, elle se le fera jamais, genre, de elle-même. Puis, j'ai pensé, si j'y paye la moitié, elle va se le faire. Ben, peut-être. On va espérer, en tout cas. Mais, c'est ça. Donc, je vais mettre sa petite carte dedans, ici. Puis c'est ça, donc c'est son beau petit cadeau d'amour. Moi, je vais manger. Moi, je vais manger ça vite fait. Puis après, je vais aller chez elle. Donc, je voulais juste vous dire un petit coucou. Je voulais aussi vous montrer mon beau outfit. Dans le fond, ça ressemble à celui que j'avais à New York. Mais j'ai une autre robe. Donc, je vais vous la montrer. C'est juste pour dire que... Toutes les outfits sont interchangeables, je trouve, l'automne. C'est ce que j'aime beaucoup. T'sais, tu peux mettre un haut avec un autre bas, puis j'adore. Donc, je me suis encore liché les cheveux avec mes belles boucles d'oreilles. J'ai mis mon beau sweater du H&M, mais j'ai mis ma belle robe comme ça du Reed Mill. Je l'adore. Donc, dans le fond, c'est une robe avec des petites manches, mais ouais.
À New York, j'avais mis ma robe du Old Navy. Elle avait comme des fleurs puis tout là, mais celle-là, je trouve que ça fait comme un autre style. Ça, c'est comme si j'ai comme un autre outfit différent. Avec mes beaux sneakers du Marshall que j'adore. Donc, mon petit look d'automne avec mes beaux petits ongles genre de fée. Je capote. On peut-tu voir? Non, 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 non. Et ici, nous avons une belle petite fée. Molly, es-tu une belle petite fée? Oh, une belle petite fée d'automne! Moi, je peux pas en dire. Non, 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 non. Hello la gang! On se retrouve après l'école, donc on est le lendemain. J'ai mis mon beau petit kit que j'avais mis à New York. Puis c'est ça, on est mercredi. Il est 5h15, puis c'est une grosse journée, c'est une grosse journée. J'avais hâte d'arriver à la maison. C'est pas... Non, c'était une belle journée au travail, mais c'était comme une grosse journée de... Je suis beaucoup... comment dire? Je suis une personne beaucoup à l'écoute. J'adore écouter. Puis on dirait que j'aime comme... souvent les gens viennent comme se confier à moi. Puis je suis tellement contente genre que comme les gens me font comme cette confiance-là. Mais c'est juste que je suis quelqu'un qui prend beaucoup genre les émotions des autres. Puis on dirait que ça me pogne par en dedans. Puis ça me... Oh, on dirait après ça me met tout à l'envers. Donc, c'est ça, c'était comme une journée d'émotion. Mais c'est ça. Puis c'est juste dans des journées comme ça que je me dis que... Ben, je me dis ça tout le temps, là, mais que je me dis de plus en plus que... Ben, de jour en jour, je devrais dire que la vie est fragile. Puis que faut vraiment profiter de tous les beaux petits moments. Donc, c'est ça, c'était comme... Oh! Après, je suis allée chez maman, puis on dirait que... J'ai vu les lumières de Noël et j'étais dans toutes mes émotions. On dirait que ça m'a remis de mes essences. Puis là, la première chose que j'arrive, je regarde mes commentaires sur YouTube. C'était comme un commentaire, genre comme... Semi-le-fun, semi-pas-le-fun. C'est comme dans ce temps-là, genre... Ça devient un commentaire pas-le-fun. Pis genre, je fais jamais ça, genre, je fais jamais, comme je reviens jamais sur mes commentaires, c'est très, 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 très rare. J'en avais revenu sur quelques-uns des fois, là, quand ça vient par rapport à mon accent, là, juste pour comme m'expliquer. Mais je vais juste revenir sur celui-là parce que... Pis moi, je laisse pas la chance, comme aux gens, genre, d'écrire des mauvais commentaires. Comme je vous dis, c'est très rare que ça arrive. Genre peut-être 3-4 semaines passées, j'en avais eu un, puis j'enlève ça. Genre moi, c'est vraiment juste, comme si c'est comme constructif, c'est par rapport à ma chaîne, j'ai pas de problème, mais genre ça attaque comme ma personne, ou comme Francis et moi, ou comme mon physique, ou comme... Moi je trouve que ça a pas sa place, tu sais. Donc moi j'enlève tout ça. C'est juste positive vibe only ici. C'est juste que là, le message, puis je suis désolée, là, si la personne écoute, ça n'a pas rapport, c'est juste que... Moi, je partage mon quotidien, je partage ce que j'ai envie de vous partager. C'est souvent des rôles, c'est souvent genre moi qui parle de toutes sortes d'affaires. Puis comme, tu sais, j'ai pas genre un studio de montage, genre comme c'est des vlogs de ma vie, de mon quotidien. Tu sais, c'est comme, où est-ce que je suis bien pour vous jaser? Ben, c'est là où je vous jase tout le temps dans ma cuisine. Mais comme, je peux comprendre que c'est redondant, mais en même temps, c'est ce que je fais, genre comme. Je vous apporte dans mes voyages, je vous apporte dans mes sorties, mais ce qui se passe genre avec mes amis ou comme avec d'autres membres de ma famille, tu sais, des fois je suis comme pas nécessairement à l'aise ou juste que je prends pas genre le temps de comme vlogger, tu sais, avec mes amis. Puis que ça soit mes amis ou ma famille, tu sais, veux, veux pas, ils ont leur vie privée, puis on montre quand même beaucoup de choses sur Instagram, puis tu sais, eux autres, ils ont leur monde au travail, puis tu sais, je fais attention genre à qu'est-ce que je montre là. Puis, tu sais, les bouts de mes amis que je vais vous montrer, ben, c'est parce que tout le monde a accepté. Puis, c'est comme, à mon bachelor, vous les avez vus. Puis, comme si on fait un voyage à Beyoncé, vous les avez vus. Mais, tu sais, une soirée, tu sais, comme exemple, à ma fête, j'étais toute excitée, tu sais, soirée de filles. Ben, c'est pas parce que j'ai une soirée de filles que je vais nécessairement vous les montrer. Je sais que vous aimez me voir, comme interagir avec mes amis.
Mais je sais pas. En tout cas, ça aussi. Des fois, ben c'est juste ça, là. Si vous voulez voir comme davantage, je vous invite à aller suivre ma page Instagram. Puis ce que je vous montre, c'est ce que je suis à l'aise de vous montrer. Puis, tu sais, moi, j'ai passé une belle soirée avec mes amis, par exemple, au resto. Puis avant, on a fait des cocktails. Ben comme, on se voit une fois, tu sais, on se voit tout le temps au spin, mais après, on se voit comme, tu sais, juste nous autres, on se voit peut-être une fois semaine, une fois ou deux semaines. Et comme quand on se voit, ben on profite du temps qu'on a ensemble. Donc, on profite pas vraiment nécessairement à vlogger, là. Puis, c'est ça, on a chacun nos petites vies, puis on regarde. Oh, en français, ça arrive. Donc, c'est ça, j'ai juste comme trouvé ça semi-plate parce que c'était redondant, genre, que je parle dans ma cuisine, mais comme je pourrais parler dans mon salon, je pourrais parler dans ma cage, je pourrais parler, tu sais, je choisis de parler ici. Donc, si jamais ça vous dit moins, ben, je vous invite à, je sais pas, à aller voir des personnes qui font des soirées entre amis ou qui vlog un peu partout, mais en tout cas, je pense que vous êtes pas mal, vous avez pas mal compris mon style de vlog d'ici à là, tu sais, ça va faire 3 ans, 4 ans, au mois de novembre que je fais ces vlogs ici, puis ben, c'est pas mal ça, je vous montre ce que moi j'ai envie, je vous montre ce que je veux faire, so. C'est ça, je voulais juste faire une petite mise au point que des fois, il faut faire attention à la manière qu'on dit les choses des fois, là, puis c'était, je suis certaine que ça venait pas d'une place de méchamment, là, genre, c'est juste que, comme, le choix des mots, des fois, ça peut juste être, comme, tu sais, plate. Là, déjà que j'avais une journée, je suis comme, oh, on dirait que j'avais hâte de, comme, lire mes petits commentaires, je savais que j'en avais eu plein, puis tout ça. J'avais hâte d'arriver à la maison, de prendre, comme, un respire, puis d'aller au spin après, mais là, on dirait que je suis comme, oh, tout ça, puis comme, c'est plate, tu sais. Mais, ça pourrait être pire. Je vous aime tellement, merci pour tous vos beaux mots, là, que vous m'envoyez, on est tellement une belle gang, mais c'est juste que... C'est ça, des fois je trouve c'est comme... Ce que je vous montre, dans le fond, c'est ce que je suis à l'aise, puis ce que je veux vous montrer. Puis, c'est exemple, ma journée de pâtisserie, je vous la montre tout le temps avec mes girls, puis tout. Donc, je sais pas. Je sais pas à quel point ce message-là était clair, mais je voulais juste vous faire un petit wrap-up. Puis, c'est ça. Donc, là, je vais faire des petites pizzas maison sur des pains pita. Puis... faire des petites pizzas pita, puis je vous montre ça. Là, donc, mon petit segment, je me souviens pas ce que j'ai dit, là, à la fin et tout. Ben, Francis est arrivé. Je voulais vous montrer les pizzas, qu'est-ce que je mettais dessus, mais j'ai jasé avec Francis à la place. Donc, on se retrouve dans mon petit spot. Désolée. Drôle de don, mais c'est ça que c'est. Je vous montre mes petits achats. Mais non, pas mes petits achats, mais les achats que ma mamie m'a fait. Donc, vraiment contente. On dirait que ça me... gros col-col sur mon arme. C'est toutes des affaires de Noël! Donc, j'ai trois petites choses de Noël. Ah, ben, ici, là, c'est un petit snack pour ce soir. vous savez que c'est rendu le pôle Nord chez mes parents. Donc, il y a des petites cannes qui ont poussé cette nuit. Des petites cannes de Noël. Donc, ça va être pour ce soir, après le spin. C'est pour ça que je suis comme pressée, là. J'ai pas attendu que Francis partait pour filmer les pizzas. Parce que je les faisais pendant que j'y parlais. Je pars au spin dans 1 heure. Habituellement, je mange après, mais là, je spin plus tard, so je suis arrivée tard. Bref, j'ai faim. Donc, maman m'a acheté 3 choses de Noël. Vous savez, mes belles tasses de café que j'avais acheté au Marshall, ben que ma mère m'avait acheté au Marshall, avec comme des citrouilles là, de Raiden. Donc là, dans le fond, ma mère a trouvé ben, de Noël! Je capote comment elles sont belles. Puis en plus, là, cette semaine, j'en utilise une tous les jours parce que je voulais comme les utiliser là, parce que bientôt, je ne vais plus les utiliser. Donc c'est ça, j'en ai des nouvelles de Noël, je capote, donc je les adore. Tu sais, j'ai des belles tasses, réutilisable, c'est pas ça l'affaire, c'est juste que des fois comme quand des fois à l'école j'oublie mes tasses ou quand je veux faire de COVID fait ou quand mes tasses sont au lavage ou peu importe, ça fait des belles tasses je trouve pour l'hiver. Donc là ici il y a un petit sapin, puis là c'est écrit partout Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas avec le beau là comme ça là. Et puis, j'ai oublié mon mot, là. Petit porte-gobelet, genre. Un manchon, un sleeve. C'est ça, je... C'est le mot que j'avais dans la tête. Donc,
Je capote, je les adore. Sinon, ça c'est pas mal mes préférés, les Lindor à la canne de Noël. Donc, des beaux petits Lindor comme ça. Puis, si vous voulez, si vous en avez, puis comme vous savez comme pas quoi faire avec, moi je les fais genre chauffer comme... Je les mets dans ma tasse, puis je fais couler mon café dessus, là, et c'est incroyable. Donc, j'adore. Et pour mes cafés, justement, le mocha à la menthe. Donc, le International à la menthe, je pense que ma mère l'a trouvé au Walmart. Donc, il est déjà sorti dans mon coin. Donc, j'imagine probablement dans votre coin aussi. Donc, c'est ça. Noum noum, je capote. Puis j'ai vraiment hâte aussi d'essayer mon silk que j'avais acheté là, l'autre fois. Donc, très très hâte de faire mes petits cafés glacés ou mes cafés chauds, peu importe, avec ça. Il est vraiment bon. J'en mets pas beaucoup, là, parce que je trouve que l'International est beaucoup sucré. Mais vraiment contente. Grosse love, mommy. Ah. Donc, sur ce, je vais aller ranger ça. Je m'en vais m'habiller pour le spin. Je vais manger. Je vais aller au spin. Puis ça va pas mal être ça pour moi pour ce soir. Demain, c'est vendredi. Et je suis allée à la même école qu'aujourd'hui. Puis je suis avec des petits cocos. Donc après le travail, je finis tôt là, avec les petits cocos. Donc après le travail, je vais aller faire des commissions. Donc je vous montrerai ça. J'ai comme un gros achat en vue. Je m'en vais genre au Canadian Tire acheter quelque chose. Donc je vais vous montrer tout ça. Puis, ouais, donc on se parle peut-être ce soir, peut-être pas. Tout dépendant comment je me sens après le spin. Mais après le spin, de toute façon, il va être temps. Je vais me laver, je vais faire mon skincare, puis je vais écouter mes émissions. Donc ça va pas mal être ça. On se voit peut-être ce soir, peut-être demain. Bye la gang! Dans le fond, ma pizza, c'était bien simple. C'est comme des pizzas pita là, que je fais quand je veux être rapido presto. Donc j'ai mis de la sauce tomate, des pepperoni. Et aujourd'hui, j'ai juste mis champignons, piments, du fromage, des oignons verts, puis des petites épices bell pepper. Donc, ça va être ça. Puis, j'avais aussi une salade de champignons. Non, une salade de cornichons, mais ça, je vais la manger, je pense, après le spin. C'était mon petit accompagnement. Mais là, ça va être ça pour l'instant. Hello la gang! Je vous parle en direct de mon téléphone. Il est 3h05. J'ai terminé mon travail. Donc, j'ai terminé l'école. C'est la fin de semaine. Bien contente, bien contente. Je suis venue me chercher un Tim Martin au café près de l'école. Au Tim près de l'école. Puis là, ça fait environ une demi-heure que je suis parkée dans le stationnement, genre, d'une hôtel, là, de mon coin. C'est à côté du Tim, là. Et pour les gens d'ici, vous comprenez, là, Eklund Coast. Et je me suis dit que j'allais me stationner, genre, 25 minutes, à peu près. J'ai fait un reel, j'ai fait quelques stories. Je voulais faire mes stories de chez Optics by Dr. Savoir. Donc, Optics par... Docteur Savoie, là, l'optométrice que j'avais voir, puis c'est ça, la clinique d'optométrie. Puis, je voulais mettre mon reel en ligne de mes belles montures que j'ai essayées, puis que j'ai vues, puis en tout cas. Donc, tout ça est en ligne sur Insta, si jamais vous voulez aller voir. Puis là, bien bien contente, c'est la fin de semaine premièrement. Mais je suis en train de faire mon reel tout bonnement jusqu'à ce que je reçoive un texte. Mon Jean, ou je sais pas trop comment on a eu ça, ça c'est mon alliance, donc ma bague de mariage. Mais genre mon Jean, on va dire. Et c'est arrivé. Donc je vais aller la chercher. Et je vous avais mentionné là, que genre ma garantie n'avait comme pas passé, pis tout, pis tout. Donc, je vais aller dépenser un beau 300$. Donc, jour de paie en plus, ça tombe bien. C'est 300$ que j'aurais pu dépenser dans des décorations de Noël, disons. Et, mais, regarde, ça pourrait être pire. Ça aurait pu être 1000 et plus. Donc, on va être correct avec ça. Donc, je vais aller chercher.
je suis vraiment contente. Donc, je vais aller tout de suite tandis que je suis en ville. J'ai hâte, on dirait que je me sens comme tout nu. Donc, je vais aller chercher ça. Puis, après, je vais aller au Canadian Tire pour aller m'acheter. Est-ce que je vous dis ou que je vous amène avec moi? Mais je vous avais déjà laissé savoir. Je pense que je voulais un nouvel arbre de Noël. Donc là, je pense que ça va être quoi, notre cinquième arbre de Noël à la maison? On a un dans le salon orange, un dans le salon gris, un dans la salle à dîner, un dans la cave, puis là, il va y en avoir un dans la chambre. Donc, 5. Jamais 203, comme on dit, là, c'est jamais 500, jamais 405. On va inventer ça. Donc, je m'en vais chercher ça. C'est comme un slim tree, dans le fond, là, un pencil tree. Puis, ouais, donc je vais aller chercher. Ils sont dispo là, au Canadian Tire, donc avant qu'ils partent tout. Je vais aller me l'acheter, puis c'est ça. Donc, je sirote mon Pumpkin Spice en même temps d'écouter le nouvel album de Noël de Cher. Donc, j'ai vu ma best life, quoi. Puis en plus, je regarde les petites feuilles d'automne. Moi, je suis comme un mélange de tout le monde. Je suis un mélange de tout. Dans le fond, genre, j'adore les feuilles. J'aime marcher dans les feuilles qui fait crunch, ça sent l'automne. Mais dans mon ADN, genre, il y a de la popamine qui coule. Là, t'sais, c'est là que je suis, là. Donc, je vous laisse. Je m'en vais chercher ma bague et je m'en vais faire des petites commissions. Je vais peut-être aller faire aussi un petit tour, moi, chose, juste comme pour marcher. Marcher, genre, dans l'intérieur et regarder qu'est-ce qui se passe. C'est tout le temps le fun. Donc, je vous laisse et on se parle plus tard. Chaque année, dans le Vlogmas, vous me demandez où est-ce que je prends mes dessous d'arbres. Mais on est autant au Canadian Tire. Ils sont comme un petit peu chers, je trouve, par exemple, cette année. Là. Mais si jamais, là, ça se garde plus longtemps. Ceux-là sont vraiment beaux en requête. Les mets au bord. Il y a lui. Puis, pour mon nouvel arbre, moi, j'ai pris un, il est vraiment moins cher. Là. Donc, juste comme ça, je le trouve vraiment beau. J'ai hâte de voir. Là. Je pense peut-être que ça va être trop gros, mais... Il faut trouver une façon parce que vu que mon arbre va être tout petit, là, mais je trouve beau, ça fait tellement une belle finition. Il y en a toutes sortes là, mais je capote. Ah, c'est les petites choses que j'ai pris jusqu'à maintenant. Ça là, c'est ma guirlande de pompons préférée à chaque année. J'en ai plein à la maison. J'ai pris celle-là, je les trouve trop cute. Hello, hello, on se retrouve après mes commissions. Donc, ça fait un petit bout que je suis arrivée, mais j'ai comme pas rangé mon épicerie. Oui, ça serait le temps. Avant que les choses dégèlent. Puis, j'avais fait charger un peu ma caméra là avant pour que ça ne manque pas dans votre visage. Donc, comme à chaque vendredi, j'arrête à l'épicerie, ramasser des petites affaires. Chaque vendredi. Je suis pas allée l'autre vendredi, j'avais comme pas mal assez d'affaires. Bref. Je vous montre des petites choses en rafale. Mon ami. Elle va probablement au Costco mercredi, donc j'ai juste pris une petite boîte là. Mais mes Go-Go Squeeze avant le spin, un must. Ensuite, j'ai pris de la Cool Whip, whatever. Petite whip pour mettre sur mes cafés, chocolat chaud, cozy season. Ça c'est drôle, j'ai fait 3 épiceries pour trouver du saumon fumé. Puis, j'arrive ici, puis dans le fond, Francis venait de m'en acheter un d'un monsieur qu'on achète d'habitude. Donc, pas grave. Je vais utiliser celui-là en fin de semaine parce que le gros saumon, c'est comme un géant morceau. Sauf que je le garde comme quand j'ai comme plusieurs jours de congé. Puis, je pense même que je vais me le garder pour les vacances de Noël, comme pour le temps des fêtes. Là. Donc, c'est ça. Il y avait juste comme des petits paquets comme ça, format individuel. Donc, ça sera ça pour la fin de semaine. Fin de semaine, je crave mes bagels au saumon. J'avais mis des petites affaires dans ma boîte à dîner. Sur ce, c'est comme une... Sinon, c'est comme une épicerie de comme knick-knack. Et j'avais pas mal de genre fruits, légumes, tout ça. Donc, c'est plus comme des choses spéciales. On dirait que ça me tentait. Donc,
J'ai pris des chocolats chauds comme ça. Oh, je voulais... Désolée, petite intermission. Ma mère avait une question par rapport au Excite. Tout le monde est obsesse avec le spinning. Non, ma mère fait pas de spinning, c'est qu'elle suit tout le temps les publications là, parce que c'est à ma cousine puis à sa fiancée. C'est juste que c'est trop une bonne nouvelle. Je vais vous en faire part si jamais vous êtes du coin. Moi, personnellement, je suis pas une Lulu girl, comme une Lululemon. Juste parce que, je sais pas, je sais pas. Pis c'est mieux comme ça parce qu'après, c'est comme une maladie, là, faut tout le temps que tu t'ajoutes des leggings, là. Moi, les leggings à genre 30$, 40$ du Old Navy, ça me fait belle affaire. Mais je sais qu'après que tu commences à acheter du Lulu, c'est comme un mode de vie, là, tu peux plus arrêter. Mais dans le fond, ça fait plusieurs mois que les girls travaillent pour obtenir genre du Lulu au studio. Puis c'est vraiment rare genre que tu peux vendre du Lulu. Donc ils vont vendre du Lulu. Puis aussi ils vont avoir du Lulu genre en merch comme de Excite. Donc ils vont avoir des choses comme spécifiques au studio là avec leur logo puis tout. Donc c'est vraiment nice, c'est vraiment le fun, c'est vraiment un bel ajout. Donc trop fière de mes girls. Puis ben c'est ça, ils ont mis un logo là dans la fenêtre, puis le maman voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Puis, donc c'est ça, mon chocolat chaud pour les saisons, pour la saison cozy. Puis moi tout de suite que comme je mets mes décorations Noël, on dirait que c'est comme genre le déclic que ça me prenait pour boire du chocolat chaud tous les soirs. Sinon avec ça, fait une éternité que j'ai pas acheté des Oreos, mais ceux-là sont vraiment bons, à la cannelle là comme ça. Donc j'adore ceux-là, puis eux autres à la carotte, c'est comme mes préférés. Donc voici. Sinon, j'ai pris des bagels pour faire mes bagels au saumon. Il y avait juste un paquet. Je voulais faire des provisions, mais non. Sinon, ça j'ai acheté ces deux sacs-là en cause de toi, petite Johnny. Je les voyais souvent, mais je les avais jamais achetés. Puis là, Johnny les a finalement goûtés. Donc j'ai mis la main dessus. C'est des croissants, genre, tu sais, comme quand tu veux te faire un bon déjeuner le matin, puis comme tu vas avoir une viennoiserie, mais comme ça te tente pas de conduire au café ou comme dans la boulangerie de ton coin, ben, tu veux avoir ça là tout de suite, là. Donc, c'est là. C'est là que ça se passe. Avant, là, il y avait des grosses boîtes de croissants au Costco. Je sais pas s'ils existent encore, mais ils sont très nouveaux. Mais bon, chez du président, c'est des croissants comme ça. Puis, ils sont genre comme fourrés aux framboises. Donc, ça fait genre comme sucré, là, tu sais. Donc, j'ai pris ceux-là. Ça va être son nom. Puis, j'ai pris aussi des pains au chocolat. Moi, personnellement, je dis des chocolatines, là, mais c'est la même chose. Sinon, je vais mettre ça dans le congélateur. Encore dans le congélateur, j'ai... Ils sont vraiment pas chers, là. D'habitude, c'est plus cher que ça. Ils sont 3,50, je crois, ou 3,80. Vraiment comme une aubaine. Donc, j'en ai pris deux. Après, parce que des fois, c'est comme genre 2 pour comme 10,50. So, je comprenais pas trop. J'en ai fini. J'ai pris deux Philadelphia. J'ai aussi pris du papier towel. Il y avait comme plein de choses en spécial. Puis en plus, à la caisse, vu que j'avais comme mes points, j'ai comme sauvé, je pense, 11,50. Donc, c'est vraiment bon. Puis, ça, c'est comme une petite traite. J'ai vu ça. Ça m'a fait penser aux fameuses fraises du Costco. Puis, je les ai jamais goûtées. Donc, les fraises comme enrobées dans le chocolat. Donc, je me suis dit pour une petite traite, genre, en fin de semaine, des fraises enroulées de chocolat au lait. Désolée. Du choix du président. Donc, ça ressemble à ça. C'est vraiment un mini sac, là. Tu sais, tu les dégustes. C'est ça. Donc, petite épicerie de comme petite prête. Puis, sinon, j'ai des nachos. Puis, ce soir, on va se faire des nachos au bœuf haché avec du queso, genre des piqûres. Puis, je vais commencer ça, là, quand ça va me tenter, là, bientôt. Je vais ranger tout ça. Puis, pour mon arbre, ben, je pense que je vous ai comme montré vite fait, là, dans mon panier, là. Mais j'ai mon arbre que j'adore, que je capote. J'avais le même l'an passé dans ma salle à dîner. Puis, Francis a dit il a manifesté un intérêt d'avoir un arbre dans la chambre quand on écoute des films. Donc, ça peut tomber dans l'oreille d'une sourde. J'ai couru au Canadian Tire. Alors, j'en ai aujourd'hui. Puis, ben, je peux vous montrer rapidement mes accessoires. Là. Si vous êtes dans la team...
Noël, pas avant le 31, pas avant le 1 ou pas avant le 11. Je suis désolée. Moi, c'est Noël à l'année. Donc, je vous montre ce qu'il va y avoir de mon arbre. Ça va être très blanc, très minimaliste et très mignon là, pour la chambre. Je n'ai pas trop de quoi de popper. Il va ressembler vraiment à celui que j'ai dans ma salle à dîner. Là. Donc, cette guirlande de pompons que je vous avais montré tantôt dans le segment. Cette guirlande-là, genre, elle me pogne à chaque année. Puis à chaque année, je me dis, hey, il n'a-tu pas encore? Il me semble que j'en rajouterai. J'en ai dans mon salon orange, j'en ai dans ma salle à dîner. Puis là, ben, je vais en avoir là. On dirait, j'adore. Sinon, j'ai acheté 3 boîtes de boules. Je voulais avoir des boules blanches, puis comme de différentes textures. Puis, j'ai acheté le dessous d'arbre que je vous ai montré, comme avec des flocons. Je l'ai vu genre en magasin comme monté là, sur un sapin. Puis ça va être parfait. Là. Il est pas trop gros. Là. J'avais peur que vu que j'avais comme un slim tree, ça allait être comme trop petit. Là. Trop gros là, la base, mais ça a l'air parfait. Au pire, je vais mettre comme une jetée ou comme de la fausse neige pour comme cacher là, en dessous, mais c'est ça. Donc j'ai mon dessous d'arbre. Puis, mes petites boules, vu que mon dessous d'arbre avait comme des flocons, j'étais comme, oh, je vais faire un rappel de flocons. Puis, je voulais avoir comme des petites boules transparentes. J'ai trouvé le comment dire, comme Anna Montana, best of both worlds. You got the best of both worlds. Donc, des boules transparentes avec des flocons. On adore. Ensuite, ici, j'en ai comme avec des brillants. Ça fait penser comme la petite neige. Donc, la voici, la voilà. On adore. Ça paraît pas. Ah, oh, ok. Ici, vous voyez plus. J'adore. Et les dernières, là, c'est comme genre. Ici, c'est une belle toute première neige. Ici, c'est comme genre la tempête. Vous allez voir. C'est comme des petits froufrous, genre. Voyez-vous? Ah, avec mes petits ongles. Non, je peux pas. Je capote. Donc, c'est ça. Mes achats du jour. Et en plus, ma bague qui est arrivée. Donc, tantôt, je cherchais le mot, mais c'est mon alliance. Elle est toute belle, toute arrangée, toute parfaite. Donc, vraiment contente. Ça remplit mon bonheur. Ça remplit mon cœur de bonheur. Sur ce, je vais aller ranger tout ça. Je vais commencer le souper. Et ça va pas mal être soirée mollo. Le vendredi, j'aime ça quand c'est relax. Après une semaine de travail, mon corps a besoin de relaxer. Donc, je vous aime bien gros. Je sais pas si je vais vous reparler. Je pense que je pourrais conclure le vlog ici. À moins que je vous montre genre des petits segments de mes nachos et tout, mais comme à quel point vous les avez vus souvent. Donc, je pense que je vais conclure le vlog. Il doit être assez long. Puis j'en commencerai un autre pour la fin de semaine. Donc, c'est ça la gang. Merci de m'avoir suivi dans ces petits jours de semaine dans ma vie. Puis, c'est ça. Merci pour tout. Je vous souhaite une belle fin de semaine ou semaine, peu importe quand vous écoutez ça. Puis, je veux pas la fin octobre arrive déjà à grands pas. Donc, c'est comme fou quand même. Je vous souhaite des beaux petits moments doux. Et on se revoit dans un prochain vlog. Bye la gang!